Monsieur, bonjour et bienvenue de cette édition de ce mardi 4 février 2014. L'actualité nationale de ce mardi, le président de l'Assemblée nationale, Idriss Armaoud Ali, a reçu ce matin à l'Assemblée nationale la visite de courtoisie d'une délégation de la Chambre de commerce conduite par le président du patronat djiboutien Youssouf Moussa Dewale. Cette première rencontre entre le patronat et le Parlement a été fructueuse. Le fait que Youssouf Moussa Dewale, qui a été 15 années durant député et président de la prestigieuse commission des affaires étrangères, a sans nul doute contribué à créer immédiatement un climat de confiance et de travail convivial. Le président Dewale a adressé un tableau du partenariat qu'il souhaite voir se nouer entre le Parlement et le patronat. Il a rappelé la place et le rôle qui pourrait être celui de l'institution pour soutenir le développement du commerce dans notre pays. Il a également exprimé son souhait de voir les deux institutions échanger régulièrement sur les grandes préoccupations économiques du pays, et ce, dans un cadre de concertation et de dialogue. Le ministère de la Culture et des Affaires musulmanes et des Biens Noirs a organisé ce matin à l'Institut djiboutien des Arts un atelier de réflexion sur le cinéma à Djibouti. Présidé par le ministre de la Culture, Adel Hassan Adem Balalo, cet atelier a été organisé en partenariat avec l'Institut français de Djibouti, l'association Sciences et Culture, en présence de la responsable du programme cinéma à l'OIF, Mme Souad Hussein, et des nombreux professionnels et opérateurs culturels djiboutiens tels que Hamoud Abelé, Adel Farah Sabatal, très actifs dans la production des téléfilms djiboutiens. Cet atelier s'est déroulé après le lancement du festival de cinéma djibouti intitulé Djibouti fait son cinéma, qui a été lancé hier à l'Institut français. Durant ces travaux, plusieurs thématiques ayant trait à la promotion du cinéma djibouti sera discutée. Il y a aussi l'objectif de créer une maison de la culture et un centre de cinématographie a été également au centre de discussion. Notre présence s'inscrit aussi dans la perspective de la création de la future maison de la culture de Djibouti, qui outre ses divers mandats est destinée à prendre en compte la problématique cinéma et audiovisuel. En effet, nous sommes ici pour examiner plus particulièrement la dimension cinéma, qui représente un enjeu majeur pour le ministère de la Culture et pour les professionnels de Djibouti. L'objectif ici, ce sera la création de ce Centre national de la cinématographie. C'est une option très ambitieuse, car ce centre sera doté, ce sera une structure pérenne, autonome financièrement, destinée à soutenir l'économie du cinéma, l'audiovisuel et le multimédia. Le cinéma djiboutien a donc été débuté en 1981 avec le premier cinéaste djiboutien Ahmed Dini Farah Adjoa, directeur de la RTD. Son premier long métrage qui a été filmé en 1981 et qu'il a intitulé Le Mirage. Donc ce soir, vous suivrez à la RTD son deuxième film intitulé Le Grand Moussa, réalisé en 1984. L'atelier de réflexion sur le cinéma organisé à l'IDA, ce matin a été présidé donc par le ministre de la Culture Adel Hassan Adem Balalo. Le ministre de la Culture a déclaré que Djibouti est un livre de culture ouvert pour l'Afrique de l'Est. Le gouvernement et le peuple djiboutien sont disposés à promouvoir la culture et le cinéma. Cet atelier fait suite à l'organisation d'une semaine de cinéma africain qui a été lancée hier à l'Institut français. Le ministre a aussi annoncé que le ministre de la Culture est chargé de fixer une stratégie pour promouvoir le cinéma djiboutien. Les films peuvent être produits pour les agences et les professionnels avec le soutien du ministère, a-t-il compris. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Abdoul Hassan Badoul, a reçu ce matin dans son cabinet le consul honoraire général de la Finlande à Djibouti, Joachim Akens, accompagné de l'entraîneur international de football, Jamie Wallemus. Il a été question lors de cet entretien d'un partenariat entre les deux pays dont le but est de rechercher de voisins moyens pour rehausser le niveau de nos jeunes footballeurs. Le secrétaire d'État a par ailleurs abordé la question relative à la création d'une école de football qui constitue le fondement même de base pour une meilleure pratique du football conformément à la politique du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. Cette réunion avait pour finalité de la mise en place d'un programme de consultation et de concertation avec les principaux protagonistes du football djiboutien.
Tout ce matin, le général de division Zikri Chahi Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a procédé au lancement d'une cérémonie de clôture de stage, de 3 stages également, notamment technique au centre technique et tactique d'Ambouli, le CITA. Ces stages techniques sont un stage de transmission de niveau CPI, certificat technique de premier degré, regroupant 12 stagiaires, et un stage d'APC, armement de petit calibre, de niveau certificat élémentaire, ayant regroupé 14 stagiaires, et enfin un stage de casarmement de niveau CT1, aussi avec 25 stagiaires. En total, ce sont 51 stagiaires qui ont pu bénéficier de cette formation. Accueilli sur le par le général Taher Mohamed Ali, sous-chef d'état-major de la défense, le général Zekelié a passé en revue les troupes d'honneur ainsi que l'ensemble des pelotons, des stagiaires et des officiers conviés à cette cérémonie. Ces 51 stagiaires étaient issus des différents corps des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes. Mon général, la cérémonie à laquelle vous allez assister comporte 3 phases. Une phase de proclamation de résultats, un stage CT1 dépannage radio, CT1 casernement et CT1 APC. J'ai l'honneur de proclamer devant vous le classement général des stages techniques 2013-2014. Il s'agit CT1 dépannage radio, CT1 casernement et CT1 APC. Pour le stage CT1 dépannage radio, nombre de candidats, 12 stagiaires, reçus 11, échec 1. Et ainsi, des récompenses ont été remises aux 3 premiers de chaque stage par le haut commandement militaire. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation de nombreux officiers des différentes armées, des forces armées djiboutiennes. Notons également que ces stages s'inscrivent dans la stratégie de renouvellement des cadres techniciens de l'armée nationale, notamment en ce moment où les opérations de maintien de la paix en Somalie drainent bon nombre de techniciens en dehors du pays. Et toujours en nouvelle du pays, le ministre de l'Éducation nationale, en partenariat avec le FIFA, a démarré un stage de formation des aux enseignants responsables du sport, dirigé par l'expert de la FIFA. Ces cours, appelés aussi Grassroots, a pour objectif de vulgariser la pratique du football auprès des élèves et enseignants des régions du nord de Tadjoura et du nord du pays, notamment avec les régions de Tadjoura et de Bok. Le responsable de la préfecture ainsi que l'expert ont réagi positivement à la tenue de cette formation qui va se dérouler dans l'ensemble des régions de l'intérieur, mais aussi dans la capitale. Chers stagiaires et futurs éducateurs, bonjour. Au nom de M. Joseph Blatter, président de la FIFA, merci à toutes, à tous, d'être présents ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du stage Grassroots
dans la région. Nous espérons que cette formation va apporter les fruits attendus, c'est-à-dire initier nos enfants sur le sport scolaire et le football particulièrement. Donc, j'espère, messieurs les participants à cette formation, il sera dirigé par les experts de FIFA. Et je profite de l'occasion pour dire aux participants de cet atelier de bien profiter de cette formation qui leur permettra beaucoup de savoir. Voilà plus de 4 jours que les techniciens de la radiodiffusion-télévision de Djibouti et ceux du Palais du Peuple sont à pied d'œuvre pour le succès de la finale tant attendue du concours des jeunes talents de la chanson djiboutienne. Et ils ont mobilisé plus de 150 personnes qui ont des prêts ou des lois à participer au succès de ce programme phare de détection de jeunes de la chanson djiboutienne qui se poursuit depuis plus de 3 mois maintenant et dont la finale aura lieu jeudi soir prochain. Ainsi les techniciens de la RTV et ceux du Palais du Peuple font ce qui est de leur devoir de préparer cet événement haut en couleur. Il ne reste plus qu'une dernière répétition générale à réaliser avant le jour J ou le jeudi soir prochain, Inch'Allah. Notre collègue, Moustapha Ibrahim Sawiyé, a interviewé Louis Abdelkhman Yahya, chef de service de production au début de la radio télévision du Moussi. On l'écoute. Tout est prêt et on attend que le jour J. Pour ce qui est des techniciens du Palais du Peuple et ceux de la RTD, combien de personnes se sont mobilisées et qu'est-ce que vous attendez comme invité pour ce soir-là? Les gens mobilisés pour cette émission, on le répète tout le temps, c'est 150 personnes. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est 150 personnes, c'est presque toute la RTD. Hein. Et à ce qui concerne les invités, on a 1500 chaises et 1500 invités, voilà. Donc 1500 chaises, voilà, on attend 1500 invités et on espère que ça se passera bien. Et alors, vous souhaiteriez un succès de cette émission? Comme toujours, oui. Un succès, et je dis bonne chance à tout le monde, surtout aux techniciens, et caméramans, son et opérateurs d'image, voilà. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Depuis combien de jours ici? Vous travaillez sur ça depuis quand? Là, actuellement, c'est le quatrième soir à l'esplanade du Palais du Peuple qu'on est en train de paramétrer le son, l'image et surtout la lumière qui est là pour la première fois qu'on utilise un concert, quoi, comme un vrai concert. Une régie lumière, lors d'internationale. Voilà, c'est ça. En effet, c'est dans la rénovation et la réhabilitation du Palais du Peuple et l'acquisition du dernier d'un lot de matériel de sonorisation et de jeux de lumière offerts par la République populaire de Chine et l'ensemble de ses équipements qui serviront pour une première fois lors de ce spectacle qui aura lieu donc jeudi prochain à l'Esplanade. Le directeur adjoint du Palais du Peuple, Abayezid, a quant à lui expliqué la coopération entre les techniciens de la RTV d'un côté et ceux du Palais du Peuple de l'autre, qui se sont unis à TV pour le succès du spectacle prévu pour jeudi prochain. Voici ses propos également. Pied d'œuvre pour essayer d'organiser au mieux cette finale des jeunes talents. Et nous travaillons avec la RTB depuis plus de 3 semaines maintenant en partenariat pour pouvoir l'assister sur le plan logistique, infrastructurel, pour pouvoir faire ça à... La soirée soit une réussite. Une réussite au niveau international et pour montrer la capacité de tous les techniciens djiboutiens. Et maintenant aussi la chance, c'est que le Palais du Peuple était en réhabilitation et en rénovation depuis 3 ans, vient de sortir, et on est en train d'ouvrir les rideaux avec la finale des jeunes talents. Et ce que vous voyez comme matériel ici, là, maintenant ça c'est du matériel transportable, qu'on a spécialement demandé pour pouvoir avoir une autonomie dans ce sens-là. Ça a été demandé à l'origine du projet. Et ce que vous voyez ici, ce sont des matériels pour la sonorisation aussi. La sonorisation, la lumière, vous avez plus de 150 projecteurs ici à effet avec des consoles qui peuvent faire des effets. Et pour la sonorisation, vous avez plus de 30 000 kW, ce qui veut dire qu'on peut entendre
jusqu'à Venise et même dans le centre-ville, au-delà. Bravo et bonne chance à toute l'équipe de RTD du Point de Feu pour la réalisation de cette grande soirée de finale qui se produira également, comme vous l'avez pu suivre, jeudi prochain à l'esplanade du Palais du Peuple. Actualité internationale maintenant, 20 ans après le génocide de Tutsi au Rwanda, le premier procès français d'un complice présumé de ces massacres s'est ouvert donc ce matin dans la cour d'assises de Paris. Pascal Simbi-Kenkwa, ancien militaire de 54 ans, sera jugé pour complicité du génocide et complicité des crimes contre l'humanité. Élément de réponse dans ce reportage. L'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana, un Hutu, est abattu. En l'espace de 100 jours, plus de 800 000 personnes sont tuées au Rwanda, en grande majorité des Tutsis. Alors que les massacres se multipliaient, le FPR, composé de rebelles Tutsis en exil en Ouganda, marche sur Kigali, lourdement armé, décidé à sauver les leurs. L'avancée des combattants de Paul Kagame provoque la fuite de nombreux Hutus. Pascal Simbi-Kenkwa est notamment accusé de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité. Il nie toutes les charges et pour ses avocats, son cas est clair. Sur les faits qui lui sont strictement reprochés, Pascal Simbi-Kenkwa les nie. On considère que les témoignages qui sont retenus contre lui sont insuffisants et que, au-delà de tout doute raisonnable, on ne peut pas le condamner. L'ancien capitaine Simbi-Kenkwa a travaillé dans les services de renseignement et venait de la même région que le président Habyarimana, un lien que beaucoup considèrent comme la preuve de sa culpabilité. Pascal Simbi-Kenkwa, c'était pas un proche du gouvernement, c'est quelqu'un qui avait une grande admiration pour le président Habyarimana, qui faisait partie de sa région, de sa commune de naissance, et il a fait partie de la garde présidentielle, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de proche du pouvoir en fait. C'était pas du tout un décisionnaire, absolument pas. Le procès de Pascal Simbi-Kenkwa est le premier procès en France d'un présumé génocidaire rwandais, et ses avocats craignent que cela ne joue contre lui. Et c'est ainsi que se referme ce journal de la matinée. On a toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous remercie pour l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes partout, vous êtes sur Fred Jouti, de passer un très très bon moment avec la suite de nos programmes télévisés. Au revoir et je vous retrouve demain à la même heure et à la même place, Inch'Allah.